c'est un poème qui a été transporté d'Égypte jusqu'à Cordoue, lors de la grande période arabo-andalouse. Alors, à mon avis, on ne parlait pas de la même ivresse à Bagdad et à Cordoue, mais en tout cas, le morceau a fait son chemin, et puis c'est à chacun de nous de le recevoir comme il se doit. Le prochain, ça s'appelle Lamadada. C'est l'histoire d'une jeune créature qui apparaît et qui fait fondre les yeux de celui qui l'aperçoit.